Bonjour à tous, nous voici maintenant devant un chapelet aux arbres dans la campagne de Sizouin. Au milieu de l'immense plaine entre Bovine et Sizouin, quatre platanes entourent la petite chapelle aux arbres. L'édifice actuel, construit en 1934, remplace un calvaire qui a réoccupé lui-même une chapelle détruite en 1794. Parce qu'elle rappelait la fameuse victoire royale. Quant à cette première chapelle, il existe plusieurs hypothèses. Paraît-elle l'endroit où Philippe Auguste fut projeté à terre et manqua de peu d'être tué pendant la bataille de Bouvines? Était-elle à l'emplacement de l'hôtel de campagne où le roi exhorta ses troupes juste avant le combat? N'avait-elle même aucun lien avec la bataille? Le mystère reste entier. Elle s'élève aujourd'hui à l'angle de la D90 et de l'ancienne voie romaine dite la chaussée de Brunio, menant de Bouvines à Tournai. Depuis sa construction en 1934, la chapelle des arbres est sous le vocable de Notre-Dame de Bonnefin. Elle a invoqué pour soulager les peines et souffrances et favoriser le dénouement heureux. Elle est également vénérée lors de la procession de Salperwick, près de Saint-Omer, le 15 août également. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de voir un bouquet de fleurs déposé contre la grille et sans interdiction d'attacher un linge ou un objet à la porte. Elle ferait sans aucun doute partie des chapelles à Locke de notre région. Les graffitis sur les murs et les arbres environnants sont les témoins vivants de la foi qui continue d'entourer la petite chapelle aux arbres, sentinelle tranquille au milieu de la plaine. Graffitis Notre-Dame, Bonnefin, Sizouin. Notre-Dame de Bonnefin est des nombreux vocables liés à la Vierge Marie. Le culte marial est un des plus populaires et les plus répandus en France, porté par l'amour courtois du XIIIe siècle. Il connaît un renouveau extraordinaire au XIXe siècle, tant qu'une série d'apparitions dans celle de Bernadette Soubirous à Lourdes. Nous rendent plus les oratoires, chapelles, églises, niches qui ont pris au fil du temps le nom d'une protection spécifique liée à des faits prodigieux ou à un lieu. Ou Notre-Dame de la Traie, comme à Lille, le chemin pavé qui passe sur le côté de la chapelle permet de relier Bouvines à Canfin en Pévèle. Aujourd'hui, ici un secteur pavé du Paris-Roubaix qui passe par la célèbre Carrefour.